J'ai mis quelque chose d'important, bon. Lâcher son âme, tu vas lâcher sa puissance des ténèbres. Lâche-la. Comment? Lâche. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher totalement sa vie. Je te commande par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je te commande par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Voilà, va-t'en. Va. Oui, va-t'en. Oui, va-t'en. Va-t'en. Tu es là. Et tu ne veux pas que cette vie, qu'elle soit heureuse. Tu es là. Quitte sa vie. Voilà. Va-t'en. Va-t'en. Oui, va-t'en. Manifeste-toi et pars. L'heure de sa délivrance a sonné. Et c'est maintenant même. Va-t'en. 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 Va. Va. Le feu chez toi. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas partir et libérer sa vie. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. Feu. Comment aller? Le feu chez toi. Le fais sur toi. Tu la libères maintenant même. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Le feu. Allez. Lâche-la. Tu vas partir. Ça va? Ça va? Hein? Ok, vas-y. Ok. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Merci. Si, va-t'en. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. C'est un ordre. Si. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Fais sur toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas la libérer. Allez, feu! Le feu! Le feu sur toi! Le feu sur toi! Le feu! Le feu! Le feu sur toi! Allez! Allez, feu! Feu! Si! Si, si, lâche-la. Si, lâche-la. Si, tu vas la libérer. C'est un ordre. Quoi, allez, feu. Si, 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 tu vas la libérer. Si, tu vas partir. Tu vas partir. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Non! Si, lâche-la. 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 Non! Lâche-la. Lâche-la. J'ai dit non! Tu vas partir. Si. J'ai dit non! Tu vas partir. Non! Si. Tu vas lâcher son âme.
Tu vas lâcher son âme. Tu vas lâcher son âme. Tu vas lâcher son âme. Jamais tu ne pourras. C'est toi qui es vaincu. Le feu! Allez! Tu ne pourras jamais. Lâche-la! 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu me fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Je ne vais pas. Si, va-t'en. J'ai dit je ne vais va-t'en. Pas. Va-t'en. Non. Va-t'en. Je ne vais pas. C'est un ordre. Non. C'est un ordre. Le feu me dit. Le feu sur toi. Non. Le feu sur toi. Non. Le feu. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Jamais la laisser. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Si, tu vas la lâcher. Si. Si. Je refuse ce mariage. Je refuse. Je refuse. Je te dis c'est ma femme. Je refuse ce mariage. Au nom de Jésus. Je ne veux pas. Colère. Non. Je prononce le divorce. Non. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier jusqu'à ce que tu seras. Je prononce le divorce. Tu vas prier. Tu n'es pas plus puissant que Jésus-Christ. Lâche-la. 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 Je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Tu vas quitter. Je bouge pas. Allez, va-t'en. Je dis je bouge pas. Va-t'en. Je bouge pas. Va-t'en. Je dis je bouge pas. Va-t'en. Je ne vais pas. Va-t'en. Je ne vais pas. Tu vas partir. Je ne vais pas. C'est un ordre. Je ne vais pas. Si. Si. Je ne vais pas. Allez. Le feu sur toi. Je ne vais pas. Fais aller. Feu. Non. Si, feu. Le feu. Le feu. Je ne vais pas. Le feu. Je t'ai dit je ne vais pas. Le feu. Je ne vais pas. Le feu. Non. Le feu. Elle m'a pâtié. Non, je refuse. Elle m'a pâtié. Je refuse. Elle m'a pâtié. Je refuse. Elle m'a pâtié. Je refuse. Je l'ai déjà marié. Au nom de Jésus. Je l'ai marié. Non, je refuse. Et je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Non. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Non. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Au nom de Jésus. Va-t'en. Libère-la. Pourquoi? Libère-la. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de connaître aussi le mariage. Non. Si. Tu ne vas pas se Et pourquoi? Je ne veux pas qu'elle se marie. Et pourquoi? Je ne veux pas. Et pourquoi? Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Parce je ne veux que pas partager pas. Ma femme avec quelqu'un. Ah, tu l'as mariée devant quelle mère? On m'a donné. On t'a donné? Oui. Depuis quand? Depuis qu'elle est petite. Depuis qu'elle est petite. Comment tu t'appelles? Tu dis jamais mon nom. Tu dis jamais ton nom. Tu vois, non, tu es bizarre en plus. Quelqu'un qui n'a pas de nom, il veut se marier. Tu vas la libérer? Je ne veux pas. Si. Je t'ai déjà dit, je la lâche-la, marier. Lâche-la. Lâche-la. Le feu chez toi. Le feu. Le feu. Allez. Allez, le feu. 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 Ouais. Les gens, les personnes comme ça possédées, elle est belle, une belle femme. Mais comme elle a un esprit dans sa vie, vous allez avoir une relation et elle, ça va se gâter. Vous allez pour entretenir les relations. Elle-même, elle ne comprend pas. Elle va avoir une relation, ça se gâte. Parce qu'il y a un esprit en elle. Et un esprit qui contrôle sa vie. Au point que il n'y a pas de relation qui doit marcher. Tant qu'elle n'est pas délivrée, elle ne va jamais connaître ce qu'on appelle le mariage. C'est pour ça qu'il faut que les gens passent à la vie. Lâche-la. C'est l'esprit qui se manifeste. Et l'esprit nous dit ouvertement qu'elle est son épouse. Voilà. Et l'esprit va partir. Tant qu'elle n'est pas délivrée, elle ne connaîtra jamais le mariage. Ah, la fille, elle est djanjou. Mais vous savez, qu'est-ce qu'elle a dans sa vie? Il y a les esprits qui viennent de sa vie. Qui vit dans son corps? Personne. Lâche-la. 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 Jamais. Si. Si. C'est un ordre. Jamais. C'est un ordre. Allez, c'est un ordre. Comment on a un feu? Je bouge pas. T'as bougé. Je bouge. Je te pas. Commande au nom de je Jésus. Je suis pas le seul. La puissance qui est dans le nom J'ai de Jésus. Plein de personnes Lâche-la. Qui font la même chose. Moi, je parle de Jésus-Christ.
la puissance. Ne pourras jamais justifier. C'est pas moi, c'est le nom de Jésus. Tu ne pourras m'enlever de ce corps. Jésus est Seigneur. Jésus, je m'en fiche, peu importe le temps que tu as mis dans ce corps. Peu importe le temps que tu as mis dans ce corps. Mais tu ne pourras jamais m'enlever, tu quitteras ce corps. Tu ne pourras pas. Au nom de Jésus. Va-t'en. 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 Le feu chez toi. Le feu. Allez. Va-t'en. Attends. Voilà, parle. Allez. Va-t'en. Dis à ton Dieu de stopper le feu. Il va parler. Dis à ton Dieu, il n'a pas stoppé d'abord. Il n'a pas stoppé d'abord. Allez, bouge là. Il n'a pas stoppé. Maintenant, il y a le feu. Il n'a pas stoppé. Pardon. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Je ne veux pas qu'elle se marie. Oui. Quoi d'autre? C'est moi qui fais fuir les hommes là. Vous avez compris, non? C'est clair. Maintenant, l'esprit dit que réellement, elle a des relations, mais c'est l'esprit là qui chasse les hommes. Comment t'arranges pour chasser les gens? Je me discours, le jeune là, pour rien comme ça. Pour rien, il n'y a pas là. Le jeune ne veut plus la voir. Le jeune ne veut plus la voir. Je l'aime trop. Je sens l'esprit. Je l'aime trop, c'est la femme, je l'attends. Allez. Et je ne veux pas que le homme la touche. Comment? S'il te plaît. Je sais qu'il va donner un mariage. Et tu vas dire de la mariée. Le feu. La puissance de Dieu. L'esprit dit quoi là? Qui a donné un mariage? Attends. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Juliette. Elle s'appelle Juliette. Comment elle s'est arrangée? Elle a dit de la barrer parce que c'est une fille très impolie. Qu'elle n'aime pas. Qu'elle veut la tuer parce que elle veut tuer aussi son père. Comme elle n'arrivait pas à la tuer. Elle ne voulait pas qu'elle aille aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle a bloqué ses papiers, ça avait duré au fait. Et après, par la petite prière qu'elle a fait, elle est partie aux États-Unis. Et je ne voulais pas aussi qu'elle aille aux États-Unis. Et je bloquais sa chose pour ne pas que les hommes l'approchent. Et comme elle a trop de choses, c'est une putain de choses. Je n'arrivais pas à bloquer. Donc tu as bloqué son mariage, c'est ça? Mais elle est chausseuse. Donc j'ai bloqué toutes ces choses. Quand elle touche quelque chose, ça ne réussit pas. Et que les hommes, je ne voulais même pas qu'un homme la salue. Mais je ne pourrais pas stopper les hommes. Vous qui dites non, je marche, on ne me regarde pas, personne ne me dit pis. Donc là, regardez quand même, les hommes l'approchent, moi ça me dève. Quand je dis je la frappe, je lui dis pourquoi elle m'a trompé. Ah, vous comprenez, c'est-à-dire qu'elle a la relation avec une personne, l'esprit de la sorcière, l'esprit l'a dit, tu m'as trompé. Son père a commencé à te regarder. Et je ne voulais pas qu'elle vienne ici. L'esprit dit, elle ne voulait pas qu'il vienne ici, n'est-ce pas? Voilà, merci. Je ne voulais pas, je lui ai dit si c'est ça que j'ai compris. Chez nous, ici, on dit chaque fois son caïman. Je lui ai dit la parole à la maison, elle est en brouillé sa maman pour qu'elle puisse aller. C'est ça? Viens maintenant à la maison. Oui, je ne voulais pas. C'est ça qui est par maman de retourner aux États-Unis. Abidjan. C'est bon, c'est du soir de délivrance. Elle veut plus ça. Toi, tu es mal barré.
ce qu'ils viennent entendre ce soir-là. Allez, le feu chez toi. Je t'en prie, vous me lâche-la. Lâche-la. Je t'en prie, vous lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Je me suis installé dans leur maison là-bas. Libère-la. Je me suis installé dans leur maison. Maison où? En Europe. Aux États-Unis. Yeah. Où ça? Où ça? Aux États-Unis. Quelle partie de la maison? Dans sa chambre. Dans sa chambre. Elle, sa chambre. Yeah. Voilà. Maintenant, je te commande de libérer sa chambre. Ah bon, j'ai mis mes affaires là-bas. Je te commande de libérer. J'ai mis mes affaires. J'ai libéré. J'ai déposé mes affaires. Est-ce que c'est ma femme aujourd'hui? Allez. Allez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et quand c'est comme ça, les filles, là, elles sont insoumises. Tu vas pour parler, elles mille. Par là, c'est un esprit. C'est ça que je dis aux gens, hein, si vous avez une relation, amenez-la à la délivrance. Ce n'est pas délivré, c'est qu'elle va te montrer dans le foyer. Oh, elle dit, depuis qu'elle était petite, l'esprit est dans sa vie. Or, le bonheur d'un homme, c'est d'avoir une bonne femme. Et vice versa. Il y a un homme qui voulait la marier. Yeah. Et tu as dit non. Pourquoi il va marier ma femme? Pourquoi marier sa femme? Je l'ai chassée. Comment tu l'as chassée? Comment tu... Il est comme ça, il ne veut plus d'elle. Pourquoi rien, il ne veut plus d'elle? Elle aussi, elle est tellement bête. Mm-hmm. Elle ne fait que pleurer. Elle raconte à tous ses camarades. Ça me dérive. Ça me dérive parce qu'elle ne veut pas me voir. Elle ne veut pas me dire, oh mon amour, tu veux. Elle est reconstruite. Elle est tout de raconter à sa camarade que son gars a laissé. C'est pour ça que j'ai stoppé. Et donc, la prochaine pas. Et je viens de rencontrer un homme. Ça me dérive. Cet homme, je ne peux pas. Il veut gâter sa relation, mais je n'arrive pas à gâter parce qu'elle ne fait que prier pour cette relation. Elle dit qu'elle est fatiguée. Qu'elle veut rester avec cet homme alors que je ne veux pas. Tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Je veux qu'elle laisse cet homme qu'elle vient de rencontrer là. Non! Non! Laisse-moi! Laissez-moi! Comment tu sais le prophète pour faire la délivrance? Laissez-moi! Je dis de me lâcher! Laissez-moi! Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est notre force. Ce n'est plus naturel, c'est un esprit qui se manifeste. Tu vas partir. Lâche-moi! Laisse-moi! Même pas pendant le foyer, n'est pas délivré. Toi, t'es fléqué, elle te coincé. Elle va te bouter. Elle te botte. Monsieur, ma femme, dis, mais toi, tu vois, comment la femme peut te frapper? Oh, elle est possédée. Lâche-la. Lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la. On est séparé par là, ce monsieur qui est blessé. La femme n'est pas blessée, le monsieur est blessé, il pleure. Démon, ne jouez pas, les esprits sont terribles. Hein? Lâche-la. En temps normal, quand on la regarde, elle est très belle. Elle n'a pas mort, c'est énervant. Oh, j'ai un démon. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas partir. Tu vas partir. C'est la fin de ton règne.
Si, c'est la fin de ton règne. Et toi, démon, tu ne pourras pas résister à l'action du Saint-Esprit. Qui est cet esprit? Tu n'es pas plus fort que le nom de Jésus. Dieu n'existe. La Bible déclare. Dieu n'existe jamais. Chez toi, là, Dieu n'existe pas. Sinon, Dieu existe. Dieu n'existe pas. Lâche-la. Lâche-la. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Enlève ta main. Le feu sur toi. Enlève ta main, sinon je vais te faire du mal. Le feu sur toi. Je vais mal te blesser. Le feu sur toi. Enlève ta main. Le feu sur toi. Je dis d'enlever ta main. Le feu sur toi. Enlève ta main. Le feu sur toi. Le feu sur toi. La puissance de Dieu. Okay, okay. Crache ton pouvoir. La puissance de Dieu. Le feu. Va-t'en! Allez! Libère-la! Libère sa chambre de la terre, sinon je vais revenir. Maintenant tu quittes son corps, mais va-t'en! Va-t'en! Libère-la! J'ai mis un caméra! Maintenant libère-la! Libère-la! J'ai mis un caméra dans maintenant va-t'en! Mais va-t'en! 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 Quitte son corps! Why don't you want to hear the testimony? Le micro. J'ai réalisé sa délivrance même hier nuit, ce matin. Devant la haine, moi. Il ne sort pas. Ok. Mets-toi là. Tu me regardes. Tu nous dis où tu es quitté, d'où tu viens, yes, qu'est-ce que tu avais comme difficulté, et qu'est-ce qui s'est produit là. Et puis j'ai dans ta vie là. Je viens de dire. Tu n'as pas de nom? Je m'appelle Kwajo Laetitia. My name is Kwajo Laetitia. Ça fait 2 ans que je suis là-bas. Je n'ai pas. For 2 years. Vous payez ça là, ça fait trop de bruit. Quand je dors, je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui sort avec moi. Quand je vais le matin. Faut bien expliquer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort avec moi. Je vois une personne qui sort avec moi. Maintenant, quand je me lève le matin, j'ai mal. Ou soit mon corps me fait mal. C'est mon père qui regarde pour faire grâce. Moi, je n'ai jamais. On dit son père, c'est un fan club. Il dort aussi la vidéo. Monsieur André, te salue. C'est à travers lui maintenant, il a commencé à parler. Quand il délivre les sorciers ici, il pratique. Donc, ma maman ici pour venir payer mes yeux. Donc, j'ai mis ça sur moi. Un soir, il a commencé à m'appeler. Non, il ne vient pas, il ne vient pas. Donc, bon, les prophètes à ce moment, ils sont en affaire. Moi, ils vont me regarder. Il a insisté. Il a insisté. Puis je suis venu regarder. Donc j'ai regardé. Je suis là même. Le prophète avait délivré une fille qui avait mari de nuit. Donc quand il a fini, ça m'a touché. Il a dit qu'on va le dormir. Vous pouvez mettre mon nuit là si vous voulez aller dormir. Quand il s'est allé prendre, il a mis ça sur moi. Dès qu'il a mis ça sur moi, c'est comme l'impression que quelqu'un veut sortir. Donc, il a commencé à crier. Ah, quand tu as mis l'huile sur toi, tu vois quelque chose est sorti de ton corps. Non, il a commencé à crier, il ne faut pas à pratiquer la manière que tu fais. Ah, donc quand tu as voulu, ton père vient te délivrer. Vous comprenez un peu, donc, comme il suit les vidéos, ça c'est un bon élève. It's a very good student. Il faut qu'on le forme. Non, il a pratiqué. Il a chassé les démons. Il a chassé. Mais il ne voit pas, lui n'est pas mauvais. Mais quand il parlait, il faisait quoi son? Il a commencé à prier, il dit, il n'est pas même lui là sur lui. Donc tout ça là, donc mon père a prié, il a pratiqué, il a fait que tu fais, sors, tu te chasses maintenant. C'est la même manière que tu faisais là, il a fait. Et puis maintenant, il est parti. Vous savez qu'elle est de Zaroko? Do you know that she's from Zaroko? C'est Yonash. The mother is... C'est Yonash. Regarde. Et puis... Ça revient encore, donc il n'arrivait pas à aller au travail. That's il est plutôt obligé de rester. Donc il a décidé de monter. Non, mais il est venu. Mais il ne vous a pas trouvé. Donc il est parti à travers la vidéo. Il avait dit qu'il allait venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'il se trouve en Europe. That's why I think he was delivered. Par la grâce de Dieu, il est délivré. Par la grâce de Dieu. Elle est délivrée. Amen. Oui, il y avait mari de nuit, elle avait un esprit. Nous, on ne dit pas mari de nuit, mais un mari esprit. On ne dit pas mari de nuit, c'est un mari qui est esprit. Ce n'est pas de nuit seulement. Il est mari esprit et dans sa vie. Et l'esprit a parlé hier pour dire, c'est mon épouse.
But said yesterday. Oui, c'est depuis son bas âge que je suis avec elle. Et l'Esprit a dit beaucoup de choses. Et nous l'avons chassé au nom de Jésus. Parce que l'Église a le pouvoir de détruire les œuvres du diable. L'Église a le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Et l'Esprit disait que toute fois qu'elle a une relation, il vient, il garde cette relation. Et il y a des personnes qui sont comme ça, non? Qui vivent cette même vie. Some people here are living the same life. Parce qu'il y a un esprit. Vous dormez, vous avez l'impression que quelqu'un abuse de vous. Vous réveillez, vous êtes mouillé. C'est comme si vous venez de faire l'amour. Ça veut dire qu'un esprit est dans ta vie. Et toute fois qu'un esprit est dans ta vie, il sera difficile pour toi de connaître le mariage. L'esprit de l'église est jaloux. For you to get married. Nous l'avons chassé. We have chased. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Quand je regardais ta vidéo ce matin, when I was watching the video this morning, j'ai vu l'esprit là. Il est comme, c'est comme un squelette, c'est-à-dire, c'est comme un squelette, une grosse tête, with a big head. Et le sang était dans son corps. And, the blood was in his, the bones. Et je suivais la vision. I was watching the vision. Le samedi qui vient là. Next Saturday. Il a décidé d'être paralysé. He decided. Ça va pas marcher. Amen. So that he cannot walk anymore. Tu as bien compris? Do you understand? Il y a un événement qui allait arriver. Une voiture allait être percutée. We were about to be crushed by a car. Parce que l'alliance the qui existait entre toi et l'esprit de Dieu. You have the spirit was really strong. Ça ne pourra pas arriver. But this will not happen. C'est pour ça qu'il faut que tu gères. That's why you need to fast. À partir du lundi. Apart from tomorrow. On aura besoin encore de toi pour ta délivrance. On aura besoin de toi pour une action prophétique. Parce que you l'esprit. Because this spirit is déchaîné. Donc toi. Ready. Faut pas jouer avec so you don't need to là où tu es quitté with the Christian. Jésus et toi ensemble. Jesus. Toi et Jésus, ne joue plus à ça. Ben, c'est un mauvais esprit. With, the spirit. Comprends c'est very bad. Ce qu'il dit? Il devient une véritable chrétienne. C'est-à-dire ne joue plus à ça. You need to become a real Christian. Ton engagement soit sincère avec Dieu. You need to be sincere with God. Chapel. Faut pas avoir peur. Je te dis ce qui est vrai. Don't be afraid. I'm telling you what is the truth. La Bible dit que c'est avec Dieu. With God, toi tu ne peux rien. But you cannot. La preuve c'est que tu étais sous l'emprise de ce démon là. Et la personne qui t'a délivré c'est Jésus. And the person donc tu ne peux rien sans lui. So you cannot have anything without him. Tu comprends maintenant que tu ne peux rien. You are now going to understand. Tu respires c'est Jésus. Tu veux dormir c'est Jésus. Tu veux manger c'est Jésus. Breathing, faut comprendre. Sleeping. Et la nouvelle vie que tu vas mener là. C'est une vie dans le Seigneur. Your new life was in the one with blood. À la Bible dit, quand un démon sort, il s'en va. When the devil is comes out. Et puis il cherche. Et puis il revient au son ancien endroit. Si tu n'as pas la présence de Dieu, quand il revient encore, if you don't have the presence of God, can enter. C'est ce qu'il dit aux gens là, mais Jésus là, il a fait quoi? Marcher Jésus là, c'est un problème, les gars. Is it a problem walking with Jesus? C'est la meilleure des bénédictions. Connaître Jésus. Non, oui, Jésus. Ça nous évite beaucoup de choses. Tu as Jésus là. Et tu apprends ton âne à aller dans le bar. Jésus. Donc, take your money. Tu apprends ton âne à aller fumer. Tu apprends ton âne à aller chercher les. C'est beaucoup d'avantages. Here are some advantages. Ça te discipline, ça te rend droit. Ça te rend sincère. Les gens te respectent. The people respect. Et puis dans le royaume des dieux, tu vas après aussi. Because you have God's kingdom. Tout ça. Tu auras un bon mari. You have a very good husband. Un fautif sorcier, il est parti. The sorcerer is now out from your life. Comme Jésus. Inside of Jesus. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu as débuté ta chrétienté.
Les gens n'aiment pas vivre, c'est-à-dire les gens n'aiment pas exploiter la délivrance. Ils sont délivrés, ils pensent que non, on doit vivre la vie, on est délivré. On ne vit plus, tu ne vas plus vivre sans Jésus. You don't live now to live without Jesus. Pourquoi? Parce que la nature aurait dû vivre. La nature, là, ça aurait dû. C'est un vide, non? It's like le Saint-Esprit va entrer en toi. The Holy Spirit should be come in you. Le visière, c'est un bon esprit. Le Saint-Esprit entre en toi pour combler le vide. Or, le Saint-Esprit, il y a choses qu'il n'aime pas. There's no like for things. Tu dois désormais. Tu as une Bible? You have a Bible? En anglais, tout ça. Attrape-toi une Bible, n'est-ce pas? You need to get a Bible? Prends-toi une Bible. The Bible. Commence à lire la Bible. Start reading the Bible. Commencez par le Nouveau Testament. Reading the New Testament. Tout le Nouveau Testament. Tu peux le dire une, deux, trois fois. You can read it. Le Nouveau Testament. One, two, three times. De Matthieu jusqu'à Apocalypse trois fois. Matthew. Tu as fait une expérience en lisant tout le livre. That experience to read the Bible. Attache-toi dans une église. Decide to the church. Les gens la parole de Dieu et enseigner en sa tête. God's word. Et puis sépare-toi de tout ce qui nous manque. And be separated. Dieu. To what this is chargera. God positionnera. To take a charge. To give a new position to you. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les gens doivent découvrir une nouvelle position. Discover new life. Christ en toi. The Christ in you. Amen. You catch me? Raise up your hands. Dis Seigneur Jésus. Jesus. Aujourd'hui, today, j'accepte. I de marcher avec toi. To work with you. En dans mon cœur. Parle de moi la personne que tu désires que je sois. The person that you desire. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Pardonne tout mon passé. Forgive me. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus que j'ai prié. For accepting me. Amen. On a mis les thérapies de moi. Tu es devenu une bonne chrétienne. Tu es devenu une chrétienne. You are now a Christian. Dans le monde spirituel, in the spiritual world, tu es une nouvelle créature. You are a new creator. Une nouvelle alliance avec Dieu. A new alliance with God. Il faut la vivre. You need to live it. Ton quotidien doit être Dieu. The daily life must be God. Ta manière de penser. The way of thinking. C'est ça que Paul dit. Soyez transformé par le renouvelé intelligence. Il faut te dire maintenant. Tu ne vas plus vivre pour toi. You need to have a new intelligence. Les actes que tu dois poser. You know more ta réflexion. Tout ce que tu dois faire. How to think. Doit être selon Dieu. Everything you have to do is si tu honores Dieu, God, il prendra le soin de toi. Il dit j'honore celui qui m'honore. I honor the one who honors me. Tu m'as bien saisi. You got me. Tu m'as bien saisi. Aujourd'hui tu es condamné à reçu. Today you condemned to succeed. Mais le diable est là. But the devil is still present. À côté. By your side. Il faut lui démontrer A plus B. You have to demonstrate. Tu n'es plus avec lui. That you are no more with him. Vite d'aller dans les endroits où on peut le trouver. Going. The place where you can find it, you will be blessed. Et Dieu t'accorde un bon mariage. May God give you a good. Et que Dieu nous permette que nous soyons dans ton mariage. And the Lord has to be in your. Franchement, si tu m'invites, je serai à ton mariage. If you invite me, je serai à ton mariage. Je prophétise sur toi le mariage, la fécondité, la prospérité. The prophecy is wedding. Devient une source de bénédiction pour toi. And the source of la maison et ta foi. You and your house. Que ton papa soit béni. And may your father be blessed. Va dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui.